Yeah. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me, never. Give me a shot and I'll oof. I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn. I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't at first and you know that you last. I thought I told them I'm coming right back. I got a flows like it came from the tap. And I came from my city, that's right on my back. Salut les gens, re-bienvenue dans une nouvelle vidéo échappement. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a une magnifique Audi RS4 V8. Et je dis magnifique parce que je pèse mes mots, hein. Ça c'est encore comme je dis souvent, comme la M5, comme plein de caisses, une bagnole de rêve pour moi. Ce modèle là en particulier avec la belle couleur gris Daytona et tout ça, franchement j'adore, elle est vraiment vraiment propre. Et comme vous l'avez vu, le moteur, tout est nickel, elle a 100 000 bornes, tout pile. Aujourd'hui elle est là pour reprendre un peu de la voix, parce que là-dessus c'est un peu dommage, d'origine ça sonne pas non plus ouf malade, hein. Ça fait un bruit de V8 mais c'est quand même assez aseptisé. Et là-dessus l'échappement d'origine, c'est déjà deux collecteurs avec catalyseurs qui sont inclus au collecteur. Bon, on les voit rien, tout est monté au chausse-pied, mais les collecteurs sont déjà tubulaires d'origine, ils ont déjà une belle gueule. Et les catas, comme dit, ils sont intégrés là-dessus, après ça descend là, et ça c'est deux petits silencieux, c'est pas des catas ça. Après, il y a cette grosse boîte à laquelle on va reparler dans 5 minutes, et les deux gros silencieux finaux. Et après, il y a des embouts, c'est des canules qui sont incrustés dans le pare-choc. Et ceux-là, d'ailleurs, je vais devoir les démonter pour les repeindre. Parce que le client, il veut qu'on les repeigne, qu'on va les démonter. Et pour les démonter, il faut enlever la ligne. Donc on va faire une pierre deux coups, on va démonter la ligne et repeindre ça. Alors, comme le titre l'indique, ce qu'on va faire, c'est pas une ligne complète à 3000 balles là-dessus. C'est une suppression du silencieux intermédiaire, donc celui-là, là, et le remplacer par un X-pipe. Donc en gros, je coupe là et là, pareil ici, et après ça j'enlève et je fabrique un X-pipe à la place. Et vous verrez le bruit, c'est vraiment rien à voir par rapport à d'origine, et c'est le bruit que ça devrait faire d'origine la voiture. Là elle a des clapets en plus, d'origine ça a des clapets les caisses là, et là ils sont bloqués ouverts parce que ça fait pas de bruit, vous l'avez entendu dans le clip, mais ça fait pas de bruit. Juste en enlevant l'intermédiaire, en mettant un X-pipe à la place, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Donc c'est une modif qui n'est pas très onéreuse. Là pour le coup, moi je demande 700€ pour faire cette modif, mais bon, 700€ c'est pas juste le X-pipe, hein, c'est la mettre sur le pont, la monter, démonter la ligne de toute façon vous verrez, je vais la démonter entièrement, je vais la poser sur ma table, je vais la brider, donc avant et après le silencieux, comme ça après le silencieux je le coupe, j'enlève le silencieux et en fait il y a la ligne qui est posée là et là, et pas de silencieux au milieu, et comme ça la ligne elle reste toujours au même endroit, elle bouge pas, comme un gabarit en gros quoi. Donc déjà dans un premier temps on va démonter la ligne, sachant que je suis tout seul, ça va être coton ça. Ça y est, l'échappement il est posé et il est bridé. Donc là, bah moi, la technique que j'utilise, hein, c'est pas la plus jolie non plus, c'est avec des vis, hein, je les soude, donc je les pointe là, pareil ici, pareil là, donc 4, et comme ça en fait l'échappement, bah, il est bridé sur la table, donc il bouge pas, tout ça c'est un seul morceau maintenant. Là, on va découper ici et là, donc on va faire ça. Et puis encore ici, on va faire encore là. Et là. Et maintenant, voilà. Donc le silencieux est enlevé. Là, je sais que c'est au bon endroit. Et là aussi. Maintenant, il faut fabriquer le X-pipe qui va aller à cette place-là. Hey!
Bon bah c'est fini, donc le X-Pipe il est fait. Donc ça change hein, de la grosse boîte qu'il y avait là. Donc là, maintenant les flux ils vont passer là, dans le X, et passer là derrière. Maintenant on va monter tout ça sur l'auto, en étant tout seul, je vais bien galérer. Voilà, maintenant ça ressemble à ça une fois en place. Donc bon, ça jure un petit peu, hein. On voit le beau X-Pipe tout neuf et le reste de la ligne qui est piquée et tout ça. Mais bon, voilà la modif qui est très efficace, vous allez l'entendre. Et qui après ça se monte plug and play quoi. Je vous fais le cold start, le cold start là-dessus il est toujours stylé. Voilà, cold start c'est fini. Ça change déjà beaucoup. Hein. Là, une fois qu'elle est chaude, vous allez voir le bruit que ça fait, c'est rien à voir d'avant. Ça fait vraiment un bruit beaucoup plus métallique, beaucoup plus racing. Attends, je suis tout zoomé. Voilà, je suis plus sous zoomé, j'ai le soleil dans les yeux. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. La différence elle est flagrante, non? C'est le bruit que ça devrait faire d'origine. C'est, je sais pas pourquoi, d'origine ils font des voitures de sport. Bon, aujourd'hui il y a des voitures, une RS3, tu la prends d'origine, clapet ouvert, ça fait quand même un petit bordel. Mais maintenant une RS4 comme ça, V8, clapet ouvert, ligne d'origine, ça fait pas de bruit comme vous l'avez entendu. Et là, juste en enlevant l'intermédiaire, quand tu roules, fenêtre fermée et tout, ça drone pas, ça fait un beau petit bruit de V8 et quand tu tapes dedans, tu entends tout le bruit qui sort du cul de la voiture. Et ça prend 8005, c'est... Et vous avez entendu le rupteur là-dessus, sur les moteurs là, c'est terrible. Moi, une RS4 comme ça, franchement, ce serait un gros kiff d'en avoir une. Mais bon, celle-là, elle a 99 000 bornes. T'en trouves plus des comme ça. Avec un kilométrage aussi bas et aussi propre. Et si t'en trouves, c'est la peau du cul. Et franchement, on va pas se mentir, niveau performance, c'est pas ouf. Ça fait 450 chevaux. C'est ce qui est écrit sur le papier. En réalité, ça fait peut-être 420, 410. Et encore, celle-là, elle est peut-être un peu calaminée parce que là, le fait de l'avoir essayé, c'est pas ouf. On aurait dû la passer au banc, mais le problème, niveau timing, c'est un peu short. Donc on la passera au banc une autre fois. Comme ça, on verra. Et ça se trouve, je lui ferai aussi un petit décalaminage. Et voilà quoi. Merci d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous. Allez sur le shop. Allez sur le site. Allez Alejandro. Non, je sais pas. Et puis voilà. Bon, sur ce. Ramenez-moi des bestioles comme ça, moi j'aime ça.